Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le unboxing du mercredi avec la boutique Pan by Number D. Ah, alors Fifi, excusez-moi pour la petite coupure déjà, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, mes douleurs sont là aujourd'hui, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc, je vous disais, c'est la boutique Pan by Number D. Deux articles à vous présenter. Dont un que, Isa, tu vas deviner et tu vas aimer, hein, je suis sûre. Écoutez, on va commencer par celui-là. Avec Fifi, ça va être pratique. Alors, vous devinez ce que ça peut être. Et oui, un aimant. Alors, ils sont toujours bien emballés, hein, ces aimants. Hop. Encore un petit emballage. Bon, ça y est, j'ai trouvé le bout. Donc, oh là, attendez, on va enlever le flash. Le voici. Alors, il y a une petite pellicule normalement dessus. Voilà, avec beaucoup de difficultés, j'ai réussi à l'enlever. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. J'aime beaucoup ce petit modèle. Voilà. Alors, derrière, on a le double aimant. Là, il est à ras. Vous voyez, il est incrusté dedans. Et hop, vous voyez, il n'y a pas de souci. L'aimant va très bien. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai là? Non, c'est bon. C'est une petite poussière. Donc, j'aime beaucoup. Alors, celui-ci est à 2,74 €. Ensuite, alors, vous savez que vous n'en voyez plus beaucoup en ce moment sur ma chaîne. Mais, j'avais fait le choix le 13 janvier. Et, excusez-moi pour le bruit, j'aurais dû déballer avant. J'ai reçu ça il y a déjà plus d'une semaine, je crois. Et j'ai pas eu le temps avant de... Enfin, j'avais eu pas mal de choses à faire et d'autres vidéos. Et j'avais pas encore eu le temps de le faire. Donc, ça a mis, on va dire, 3 semaines pour arriver. Alors, on a déjà le petit toolkit, comme d'habitude, avec les aiguilles, le petit pompon, l'anneau en métal qui ne sert à rien, et l'enfil aiguille qui lui sert beaucoup. Alors, voilà. Alors, la photo est un peu floue. C'est la compagnie sans nom. Voilà le dessin. Ça s'appelait la Reine Brillante. C'est un 45 sur 56. Et c'est un 11 CT. Bouge pas, hein, Fifi. Ça va aller. Hein. T'inquiète, on va se débrouiller. Alors, voilà le patron papier. Bon, comme d'habitude, il est très bien imprimé. Alors, on a... en général, on n'a pas trop de confettis. Mais ici en haut, on a beaucoup. Alors, moi, c'est ce que... Moi, j'appelle ça du damier. J'appelle pas ça du confetti. J'appelle plutôt ça du damier parce que c'est presque 1 sur 2 ou 2 sur 2. Voilà, pour faire le fond.
Je suis désolée, hein, de ma façon de parler, mais là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais ça s'est réveillé. Voilà. Ici, vous allez retrouver l'image. Voilà. Et on a 38 couleurs. Là, vous retrouvez le numéro de fil qu'il y a sur le trifil. La légende, les références DMC et là, les couleurs, mais alors vraiment approximatives. Moi, je ne me sers pas du tout de ça. Je vous montre les symboles. Voilà. Est-ce qu'on a le 939? Non. Est-ce qu'on a le 310? Non plus. Voilà. Et on n'a pas le 5200. Alors, je vais vous montrer, avant que Fifi veuille bien bouger, les couleurs. Hop, désolé pour le bruit. Alors, on a deux tresses supplémentaires. Voilà. Celle-ci d'abord. Alors là, c'est le 823. Et là, le 40, ça vous dit qu'il y a 40, comme ça. Voilà, 40 fils de 6 brins dedans. Là, pareil. Donc, c'est un brin. Bordeaux, prune, voilà, plutôt prune. Donc c'est pareil et c'est le numéro 154. Bon, il y a quand même pas mal de fils. Alors, hop, on a deux plaquettes, donc une avec deux fils, voilà. Et celle-ci, alors pour les couleurs, je vais peut-être mettre le flash. Ça ira, voilà. Regardez-moi ce bleu, il est beau, hein? Voilà. De jolis bleus. Bon, de belles couleurs. Bon, Fifi, là, il faut que tu bouges, hein. Je suis désolée. Mais alors, elle s'en fiche complètement. Fifi! Tu peux bouger. Tu peux bouger, ma fifille. Là 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 là. Bon. Alors, on voit bien le visage. Là, ce que je vous disais, vous voyez, moi, je sais plus. C'est du confetti, si vous voulez, mais là, la forme que ça a, j'appelle ça du damier. Donc, on va regarder tout de suite au niveau de l'impression. Les compagnies sans nom, de toute façon, c'est toujours très bien imprimé. Hein. Bon, on a un peu de bloc. Vous voyez, quand même un peu de bloc ici. Là, vous retrouvez la légende que l'on a vue sur le papier. Donc, c'est la même. Hein. Voilà.
Là, c'est 169 points sur 217 points. Voilà, ça c'est la taille de la broderie. Mais en taille réelle, elle fait 30, environ 39. On va mesurer comme ça. Donc 25. Sur 50. Voilà. 39 sur 50. Bien sûr, hein? 40. Non, qu'est-ce que j'ai? Ouais, si, c'est ça. Alors, cette petite broderie est au prix de 12. 12,24 €. Voilà. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui. J'arrive plus à la replier. Ah mince, ça a été dans quel sens? Ah, voilà. je vous ai présenté donc cette petite broderie. Voilà. Et ce petit aimant magnifique que j'adore. Ben, je remercie beaucoup la boutique Paint by Number Day. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vous mets en lien sous la vidéo le lien de la boutique et également le lien des articles que je viens de vous présenter. Voilà, je suis désolée, hein, je suis pas très enjouée pour parler aujourd'hui, mais voilà, ma langue s'est réveillée, j'ai mal ce matin malgré mon traitement. Voilà, je ne vais pas parler plus, j'en suis vraiment désolée. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude avec notre Fifi nationale. Allez, à bientôt, bisous, bisous.